damn phones. Babylon's can't crack the code. Used to sip out styrofoam, but figured I should stick to. Salut à tous les amis, c'est Bob le Mineur, aujourd'hui nouvelle vidéo Clash Royale. On est arrivé à un moment que je redoutais tout particulièrement, donc comme vous le savez, pour ces quelques jours, Supercell a lancé un challenge avec des gobelins, donc avec plein de decks tout préfaits de... qui sont remplis de gobelins, et au bout de 6 victoires, on gagne 5 KE, donc voilà, enfin 5 KE, on gagne 5K gold. Et il est arrivé un moment, voilà, donc là je n'ai pas encore payé de gemmes pour faire ce challenge, en fait c'est mon premier challenge. Et j'espère vraiment que ce sera le dernier, j'ai pas envie de payer pour avoir ces 5000 d'or. Donc on va faire cette game en live, c'est la game à 5000 balles, d'où le nom de la vidéo. J'espère vraiment la win, mais je ne garantis rien, donc on va sûrement perdre ensemble ou gagner ensemble. Qui sait, mais c'est vraiment à l'usure qu'on peut gagner des games avec ces decks, c'est affreux. C'est vraiment à l'usure, c'est horrible, enfin bon. Du coup, un peu de pression pour ce tournage de vidéo. Et c'est parti, la game à 5000 balles, c'est vraiment le pire moment quoi. Autant il vous reste deux défaites, vous dites moi j'ai droit à plusieurs chances. Mais là j'ai vraiment, voilà, j'ai foiré pendant le challenge et j'ai perdu deux fois d'affilée. Donc franchement, j'y crois, je vais avoir du mal à y croire. Parce que, ok, donc là on a un deck mineur. On a un bon deck, franchement on a un bon deck. Il y a des decks un peu dégueux je trouve, qui ont été faits pour ce challenge. Donc j'ai un peu la pression, donc j'ai toujours du mal à parler. En même temps que je joue, là, je mets des gobelins pour défendre contre son gang de gobelins. Vous voyez qu'au final, pour deux d'élixir seulement, je lui ai pété 3. Lui, il a mis son zap, là. Je mets cette goblin hut pour défendre là-dessus. Lui, il a été obligé de mettre un zap en plus, là. Donc, en élixir, on est plutôt bien par rapport à l'adversaire, actuellement. On va mettre un mineur au fond de la map, je pense. Il n'y a pas grand-chose de plus à faire là-dessus. On n'a pas d'archer magique. Si j'avais un archer magique, je pense que je me serais amusé à taper sa goblin hut. Là, on va pouvoir mettre des flèches. Ah, ouh, c'était limite, ça passe. C'est parfait. Non, bah, je sais même pas pourquoi je me pose un spire gobelin. Je pense qu'il... Enfin, un gobelin à Sarbacane, je pense pas qu'il aurait été utile. Mais c'est pareil, il va faire des petits DPS tranquillement. Ok, là, on continue de taper sa tour. On a fait déjà un peu plus de 400-500 de dégâts sur sa tour. C'est plutôt positif. On va mettre des gobelins, là, pour défendre là-dessus. Ça me semble judicieux, voilà, hop. On va renchérir... On va surenchérir avec un... Ah, le mineur arrivera un peu tard. C'est pas grave, il va faire des petits dégâts quand même sur la tour. Alors là, il nous pose un géant, on sait qu'il joue le fût à barbare, donc... Oh là là, ça va être compliqué pour nous, là. Je vais mettre ça, là, pour défendre, en espérant, voilà, que le géant soit attiré par tout ce petit bazar. Et on va mettre, je pense, ce truc-là, ici, caché, voilà. En espérant faire du DPS sur ce géant qui nous pose quand même des problèmes. Des gobelins derrière pour péter son gobelin à Sarbacane, ainsi que son bowler, son bouliste en anglais. Un mot à traduire, une phrase ou même un discours de mariage, Jean-Michel Traduction. Il nous a fait des sales dégâts là, on va pas se mentir. Il nous a fait des très sales dégâts. On balance ce truc là en plus pour foutre la pression parce qu'il doit plus avoir beaucoup d'élixir. Et s'il a assez pour défendre malheureusement. Donc là on est à peu près, on est à peu près à égalité, mais pas du tout. Pas du tout. On est en train de lose très clairement. Donc je défends avec ces gobelins là et je vais poser une goblin hut. Encore une fois, ah là il nous fait des petits dégâts, il nous rate. It was at this moment that Bob le Mineur knew he fucked up. Oh non, la goblin hut qui est mal placée. La goblin hut qui est mal placée, j'ai craqué sous la pression les amis. Ça va être compliqué de gagner cette game, il reste 50 secondes. On va la voir, là il n'y a même pas besoin de défendre, on va pas se faire avoir comme tout à l'heure. On balance les flèches. Complètement raté ici, on va pas se cacher, mais c'est pas grave, on va relancer un... Ah! Ah non, là je suis beaucoup trop gourmand. Là j'ai fait des grosses bêtises je pense. On remet ça là, on met une deuxième cabane, allez hop. Un mineur en fond de map pour essayer de faire des petits dégâts. Des spires gobelins juste là, il va nous prendre la tour malheureusement. Hello, darkness, my old friend. Donc on va perdre cette game. Ah, ça va être tendu. On rebalance, on va mettre ça là pour défendre là-dessus, sinon on va se prendre 3 étoiles. C'est pas l'objectif de se prendre 3 étoiles. Ça va être très compliqué, on va remettre un mineur ici, il reste 14 secondes les gars. Ah, je pense que c'est perdu malheureusement, j'ai dû faire une erreur à un moment du jeu. Ah, on rebalance un gang ici, enfin non, ah non, c'est perdu, on prend 3 étoiles, j'ai trop le seum là, les 5K qui s'envolent, le mec, je sais pas où est-ce qu'on a fait une erreur, où est-ce qu'il a mieux joué que nous, je suis bien dégoûté, je pense que j'ai fait un misplay à un moment, c'est sûr et certain, sinon j'aurais pas perdu. Ah, donc on va ouvrir ce coffre quand même, ça pique, là, je vous cache pas, franchement, ça pique, je m'attendais à gagner cette game parce que j'avais un bon deck de départ. Bon, on a des cartes dégueu de toute façon, c'était vraiment pour les 5K gold, bah, j'ai bien le seum.
Bah écoutez, du coup, j'allais dire, n'hésitez pas. Ah non, j'ai la flemme de. Franchement, je paierais pas 10 gemmes pour 5K gold hyper dur d'accès. Ça, je pense pas que ce soit rentable. J'ai bien le seum quand même. Et voilà, c'est la fin de la première partie de la game à 5000 balles. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à cliquer sur le bouton qui s'affiche au milieu de ton écran ou à lâcher un gros like, ça ferait super plaisir. La partie numéro 2 arrive très prochainement. Sur ce, moi, je vous fais un bisou, puis je vous dis à une prochaine. Bye!